Salut Polto. Hello. Comment tu vas? Bien, bien. Bien avec toi, merci. Bon, on va commencer par la question habituelle. Comment t'es tombé sur Bitcoin? Comment t'es tombé dans le terrier? Ça, c'est une longue question. C'était en plusieurs phases et c'est pas arrivé tout de suite. Okay. J'ai évidemment tourné la page au début en me disant scam, bullshit, pas possible. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire avant et ça n'a pas marché. Et honnêtement, ça va te faire bizarre, je suis rentré dans Bitcoin finalement par Ethereum où il y a eu plein de belles promesses et qui m'ont touché et j'ai essayé. Et plus j'y touchais, plus je devenais un Bitcoin maxi en fait. Ok, bon, je crois qu'on est tous passés par là. Et du coup, c'est quoi votre solution? Je vois qu'il y a écrit Hodling, Nodel. Vous êtes deux entreprises là? Donc là, on est deux boîtes. On est deux boîtes sur l'infra Bitcoin, sur l'infrastructure vraiment. Donc Nodel, ils font de l'infrastructure de nœuds. Tu pourras en parler avec eux. Nous, Hodling, on fait de l'infrastructure de self-custody. Donc on aide nos clients, individus ou entreprises, à garder de manière très sécurisée leur Bitcoin. Donc nous, on est plus en Bitcoin, pas en SAT. C'est du multisig, donc il faut que ça vaille la peine. Okay. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 2 ans qu'on a créé l'entreprise. On a commencé à faire ça un peu avant. On faisait déjà quand on bossait chez un broker crypto, Neuchâtel. Et du coup, vous êtes en Suisse, c'est ça? On est en Suisse à Neuchâtel. Okay. Ouais. Seulement sur des clients suisses? Non, on est worldwide. En Suisse, c'est beaucoup d'entreprises, pas mal d'intermédiaires financiers même. À l'étranger, c'est plutôt des individus. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot sur Bitcoin. Est-ce que vous cherchez des stagiaires, Alors, les stagiaires, on a eu un peu de peine et j'avoue que ChatGPT est notre meilleur stagiaire jusqu'à là. On l'a aussi chez nous. Oui, il est un peu partout. Ouais. Alors, nous, on a les deux bossé dans une boîte broker qui a fait ça plusieurs fois avec les bull bear market. Donc, nous, on a choisi d'être lean, d'être une toute petite équipe. On est deux et on compte rester comme ça pendant un moment. On peut grandir notre base de clients suffisamment comme ça, donc pour l'instant on keep it small, mais on vire pas de gens pendant les bear markets, voilà. C'est déjà un succès. C'est déjà pas mal, ouais. Ok, super. Est-ce que tu as un mot à rajouter, une petite anecdote, quelque chose? Un seul mot, Zapoy. Zapoy. On taira la signification. Ben, merci Polto. Excellent.